Hello tout le monde Bonjour, bonjour Bienvenue dans ce nouveau live de français qui cette fois-ci va être dédié à la poésie. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude on fait les vérifications d'usage, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Une petite précision euh, tout à fait euh, inutile. Euh, je suis désolée aujourd'hui j'ai mes lunettes, j'essaye de ne pas les avoir d'habitude pour les lives parce que vous voyez les, les lumières mais confinement oblige je n'ai plus de lentilles voilà donc vous allez devoir faire avec je pense que vous devriez quand même survivre alors est-ce qu'on m'entend bien est-ce qu'on me voit bien bonjour à tous bonjour bonjour je vois que ça se connecte bonjour tout le monde ah ça bug alors de notre côté ça ne bug pas peut-être que ça vient de ta connexion essaye de réactualiser le live Apparemment, tout va bien. J'ai adoré votre ancienne vidéo sur le théâtre. Merci beaucoup, Louise. Elle est assez récente, cette vidéo. Et euh, je pense que je vous en ferai d'autres dans le même style. Merci beaucoup, Louise. C'est vraiment très gentil. Hello, Quentin. Hello, Raphaël. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on attend quelques minutes que tout le monde s'installe. Alors, aujourd'hui, c'est un live un peu particulier. Oui et non. Euh, on a déjà fait des lives poésie sur euh, la chaîne, mais cette fois-ci j'ai vraiment eu envie de vous proposer un live pour débutants. Donc de deux choses l'une, soit vous êtes débutant en poésie, soit vous voulez tout simplement revoir les bases. Bonjour Madame Montbailly. Euh, voilà, donc si c'est le cas, ce live est fait pour vous. Si vous aviez assisté au live précédent sur la poésie, il n'y a aucun souci. Il y a des choses qu'on va revoir, il y a des choses qu'on fera en plus, et il y a des choses qu'on a fait la dernière fois et qu'on ne fera pas aujourd'hui. En gros, on va euh, travailler le vocabulaire de la versification et voir les étapes une à une pour analyser un poème tranquillement. Alors, Kessie me dit que ça bug... Je crois que de notre côté, la régie, est-ce que ça bug Non, hein. de notre côté, ça a l'air d'aller. Dites-moi dans les commentaires si euh, ça bug chez d'autres. Je pense que ça a vraiment un lien avec la, la connexion internet. Bonjour Enya. Donc, je disais qu'on allait travailler la versification et qu'on allait travailler le vocabulaire et euh, l'analyse pas à pas. Aujourd'hui, on ne verra pas l'interprétation des poèmes et on ne verra pas tout ce qui euh, a un lien avec les figures de style. Voilà. Pour préciser un peu, ça bug pas. Donc, effectivement, je pense que, que ça vient des connexions plus ou moins bonnes de certains. Ok, merci beaucoup. Alors, on va y aller. Comme d'habitude, vous avez besoin d'un brouillon pour noter éventuellement un peu des choses d'un euh, stylo. Et puis, euh, hello Melinda, alors qu'est-ce que je voulais vous préciser aussi Et juste après, on y va. Je voulais vous dire que euh, vous ne retiendrez probablement pas tout après cette vidéo, c'est normal. Et ça n'est pas le but. Simplement, on va essayer de voir un peu les méthodes d'analyse de, de poèmes et essayer de retenir un peu de vocabulaire. Voilà, c'est le but d'aujourd'hui. Si euh, vous voulez prendre des notes, eh bien vous pouvez. Dans le cas contraire, pas de panique, euh, j'essaierai de vous préparer une fiche bilan que je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos et que vous pourrez télécharger. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si, euh, si c'est des choses que vous allez consulter ou pas du tout. Parce que si personne ne la consulte, c'est pas la peine que je fasse la, la feuille. Mais si jamais ça, ça vous plaît que je vous fasse un petit bilan... Dites-le moi et, euh, et je vous mettrai ça en lien en barre d'infos. Pas de soucis pour ceux qui doivent rester qu'une demi-heure, etc. Comme d'habitude, chacun fait son petit emploi du temps. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Ah oui, donc Lucie, t'as dû, dû prendre du retard, donc euh, réactualise. Ok, bon, a priori, ça vous tente que je fasse la, la fiche bilan. Ok. Alors, on y va avec une première question. Euh, la régie pour l'instant, je n'ai pas besoin de vous. <laughs> D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez faire un, euh, une acclamation. Euh, une spéciale régie qui a passé plus d'une heure hier avec moi pour préparer le live. Donc, heureusement que la régie est là. Donc, vous pouvez lui, lui mettre un petit mot dans les commentaires parce qu'il les voit lui aussi. Donc, je vous disais... Avant que euh, l'on attaque le vif du sujet, je voulais qu'on revienne sur ce qu'est la poésie. Qu'est-ce que la poésie La poésie, c'est avant tout un genre littéraire, comme le théâtre, euh, comme euh, le roman, etc. Il y a donc un certain nombre de codes à connaître dans ce genre littéraire. Avant l'invention de la poésie. Euh, av euh, pardon. Avant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ça y est. Je, je lis vos petits messages sur la régie, vous êtes trop mignons. Euh, au départ, l'invention de la poésie était essentiellement et uniquement même à l'oral, et ça servait en fait de support à la mémoire. Vous savez qu'avant, euh, il n'y avait pas de livres dans l'Antiquité, par exemple, et toutes les histoires que l'on transmettait de génération en génération se faisaient à l'oral. Et le fait de retenir des histoires et des poèmes par cœur, eh bien, permettait de travailler la mémoire, d'avoir de, euh, euh, des, euh, des supports euh, mnémotechniques, et on apprenait des poèmes par cœur pour travailler la mémoire et surtout pour les transmettre à euh, nos générations futures. Donc ça c'est un petit peu l'essence de la poésie. Je vois qu'Enya est toujours à fond sur Johnny Depp, ça ne change pas. La poésie a toujours eu un lien très très étroit avec la musique. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais je vous le redis, au départ, la poésie était systématiquement accompagnée de musique. On le voit d'ailleurs dans la mythologie avec la muse inspiratrice et aussi avec des personnages comme Orphée qui, grâce à sa lyre et à son chant, arrivait à dompter la nature, les animaux, les hommes et même certains dieux. Donc la poésie avait ce, ce lien très fort, très étroit à la, avec la musique. Elle était accompagnée de musique jusqu'au euh, Moyen Âge où il euh, y a eu une séparation de euh, la musique et de la poésie. Et du coup, on a créé des effets sonores pour remplacer la musique qui avait disparu. Et c'est de là que sont nés, par exemple, euh, les rimes, les assonances, les allitérations. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, pas de panique, je verrai expliquer ça tout à l'heure. Voilà un petit peu pour le lien avec euh, la musique, parce que c'est très important. Dernière chose dans mon petit blabla d'introduction, la poésie euh, englobe diverses formes poétiques. Donc il y a, je vais y revenir dans un, une minute deux types de poèmes, les poèmes en prose et les poèmes en vers. mais il y a aussi ce qu'on appelle des formes fixes. les formes fixes, c'est des formes de poèmes qui sont toujours structurées de la même façon. donc vous avez peut-être entendu parler euh, des ballades, des rondeaux ou des sonnets. ça, ce sont des formes fixes qui s'écrivent toujours avec les mêmes codes, donc avec le même nombre de vers, le même type de syllabes, euh, etc. etc. Voilà pour ça, en ce petit blabla introductif. Si vous avez des questions, parce que j'ai l'impression que je parle déjà beaucoup et je parle vite et je m'essouffle, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct dans le chat, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ok, a priori ça a l'air d'aller jusque-là. Donc, première grande partie, la régie, ça va être à vous. On se concentre un peu dans les commentaires parce que j'ai l'impression que vous parlez absolument de tout sauf de, <laughs> de poésie. Donc, je disais, première grande partie, on distingue les poèmes en vers des poèmes en prose. Alors, un poème en prose, c'est un poème qui se présente exactement comme pourrait se présenter un roman ou n'importe quel écrit un peu euh, classique. Donc, lorsque j'ai un paragraphe comme celui-ci par exemple, on ne le voit pas ici, et eh bien c'est ce qu'on appelle la prose. Le vers s'oppose à la prose en euh, plusieurs raisons. Euh, un vers, c'est ce qu'on appelle une ligne en poésie et euh, il commence toujours par une majuscule, même si ça n'est pas une, euh, un début de phrase. Donc, on distingue très important deux types de poèmes les poèmes en vers et les poèmes en prose. Ça, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Alors, en collège, on a tendance à n'étudier que des poèmes en vers, comme le sont d'ailleurs euh, les fables de La Fontaine. Au lycée, on étudie après euh, aussi les poèmes en prose, mais pas trop au collège. Donc, premier petit, premier petit exercice extrêmement facile parce qu'on se met en jambe. Je vous ai préparé quelques petits poèmes, cinq pour être précise. Et j'attends de vous que vous m'analysiez s'il s'agit de vers ou de prose. Donc on est parti, voici le premier poème. Indiquez-moi dans le chat s'il s'agit d'un poème en vers ou d'un poème en prose. Alors, <laughs> vous êtes plus rapide que moi. <laughs> oui. Ok. Bon, effectivement, je pense qu'on va pas passer des heures là-dessus, ça a l'air d'être déjà très clair dans votre tête et j'en suis ravie. Donc, ici, ce poème qui s'intitule Le chat que l'on va étudier tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai choisi pour vous que des poèmes sur les animaux aujourd'hui. Il s'agit bien d'un poème en vers. Vous voyez euh, la disposition dont on reparlera tout à l'heure, euh, spécifique à la poésie, donc avec des, euh, des lignes assez courtes et organisées et des majuscules au début de chaque vers. C'est quoi prise, madame Je n'ai pas compris. Euh, moi, je n'ai pas compris. Ah, la prose. Eh bien, tu vas voir Ahmed. Ne t'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre avec euh, les exemples qui vont suivre. Donc là, le poème Le chat est un poème en vers. Passons maintenant au deuxième poème qui s'intitule La chouette. Dites-moi s'il s'agit d'un poème en vers ou d'un poème en prose. Eh bien voilà Ahmed, je vois que tu as compris. Attention Déborah, à ah, ma tasse, spéciale réponse. Oui, donc cette fois-ci, je vois que vous êtes au taquet, il s'agit d'un poème en prose. Il y a une organisation en paragraphes, et vous voyez bien que chaque ligne ne commence pas par une majuscule. Il n'y a pas d'organisation a priori dans ce poème de Jean Lursa, ok ah, la régie est partie. <laughs> On y va pour le troisième poème. C'est bon Déborah, est-ce que c'est compris Là, c'est un poème en prose. Coucou Aloéna, coucou Mohamed. Troisième poème, le papillon. vers ou prose <laughs> Régie revient. <laughs> régie, Régie revient. <laughs> Alors, vers ou prose pour ce troisième poème qui s'appelle Le papillon Bon, je vois que c'est compris, vous me faites plaisir. Il s'agit d'un poème en, en, <laughs> en vers, si je dis n'importe quoi. D'un poème en vers. Hello, je t'ai pas vu tout à l'heure. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas nommés. Vous étiez assez nombreux quand je suis arrivée, donc je ne vous ai pas vu tous un à un. Nouveau poème en vers, donc je répète, hein, des, euh, des euh, lignes qui commencent par des majuscules et qui sont organisées grâce à la ponctuation. Allez, encore deux, le lion, cette fois-ci. Arthur fait la chasse au like. Oui, vous pouvez d'ores et déjà liker ce live si vous le trouvez fantastique. N'hésitez pas, <laughs> entre deux, euh, deux réponses dans le chat. Alors, le poème Le Lion de Victor Hugo, est-il un poème en vers ou un poème en prose Dites-moi ça. Alors, Ahmed, est-ce que tu vois des lignes avec une majuscule au début de chaque ligne Est-ce qu'il te semble qu'il y a une organisation ou est-ce que tu vois au contraire des blocs de texte par paragraphe comme on pourrait les voir dans un roman Oui, tu me dis non dans les commentaires. Donc il ne s'agit pas de prose, il s'agit ici d'un poème en vers de nouveau. Allez, un petit dernier. Voici maintenant La colombe poignardée et Le Jet d'eau, qui est un poème de Guillaume Apollinaire. Et là, je n'ai vraiment pas été sympa. Prose chelou, alors j'aime beaucoup cette appellation Stella, on pourra la garder, on appellera ça le plan B. <laughs> Mais malheureusement, il ne s'agit pas de prose. Et malheureusement, il ne s'agit pas non plus de vers. Et oui, je suis extrêmement méchante. Après la prose chelou, on a le vers bizarre non plus. Ici, il s'agit d'un type de poème qui est bien particulier puisque vous voyez bien. Que euh, l'organisation du poème se fait à l'aide de dessins. Ici, le dessin, alors il faut l'imaginer, mais le dessin du haut représente un oiseau. Le dessin représente ce que le poème dit. C'est ce qu'on appelle un calligramme. Un calligramme. Vous l'avez d'ailleurs noté dans le paratexte, parce que c'est le, le titre du recueil d'Apollinaire. Un calligramme, ça vous pouvez le noter, c'est intéressant de le savoir et ça vous servira jusqu'au lycée. Un calligramme, c'est un poème représenté sous la forme de dessin. Si vous êtes curieux, oui, un calligramme avec deux L et deux M. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir sur Internet euh, différents calligrammes. Vous pourriez même en faire vous-même à la maison, c'est assez sympa à faire. Il existe de très nombreux modèles et ceux de Guillaume Apollinaire sont les plus connus. Donc, ça par exemple, le calligramme peut être rangé dans les formes fixes ou dans les formes de poèmes un peu originales. Il ne s'agit ni de vers ni de prose. Alors, je ne sais pas comment le lire, c'est une très bonne question Stella. Euh, en général, ça se lit de gauche à droite en conservant notre sens de lecture, mais ici on ne va pas s'amuser à lire l'intégralité du poème. Parfois, ça demande un peu de, de, de réflexion et d'organisation. Donc, Raphaël, il faut marquer quoi déjà <laughs> Tu peux marquer qu'un calligramme, c-a-l-i-g-r-a-m-e, c'est un poème sous forme de dessin. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, on a vu ce qu'était la poésie et on a vu comment différencier le vers de la prose. Eh bien, si vous savez déjà faire ça, vous savez déjà faire beaucoup. On dirait pas comme ça, mais si, si. Ok, alors on continue avec Madame, c'est flou sur l'ordi de ma maman. Alors, si c'est un peu flou, pour l'instant c'est pas grave, on s'intéresse pas vraiment à, euh, au, au, enfin, comment dire, à la lecture du poème. Ce qui m'intéresse c'est un, un peu plus la forme, on n'a même pas besoin de le lire. Apparemment ça va, parfait! Donc, on continue avec l'une des choses les plus importantes en poésie, on va apprendre à compter les syllabes. Régie? Oui Alina, c'est un poème qui est assez triste, qui parle de, euh, de la liberté. Alors, compter les syllabes. Il est important de savoir compter les syllabes en poésie pour déterminer ce qu'on appelle le maître du vers. Donc on va voir que en fonction du nombre de syllabes d'un vers, on le nomme. Euh octosyllabes, décasyllabes ou alexandrins, etc, etc. On va donc devoir apprendre plusieurs règles pour compter les syllabes, puisque vous vous doutez bien que ça ne se fait pas comme ça. Cela dit, il n'y a pas énormément de règles. On va voir aujourd'hui quatre euh, choses, cinq choses. Et si vous retenez ces choses là, ça sera tout gagné jusqu'au lycée. Ça vaut quand même le coup. Donc, regardez bien ce que je vous propose. Les trois premières règles concernent le E, la lettre E. Quand on a un E à la fin d'un vers, on ne le compte pas. Ça, c'est la première règle. Jusque-là, ça devrait aller. Ensuite, on va avoir deux autres cas. Soit le E est suivi d'une voyelle, auquel cas on ne compte pas la syllabe, soit le E est suivi d'une consonne, auquel cas on compte la syllabe. Alors, je ne l'ai pas reprécisé, mais peut-être qu'il va falloir que je réexplique avant tout ce qu'est une syllabe. Une syllabe, c'est une ou plusieurs lettres que l'on prononce en une seule émission de voix, donc en, en une seule fois. C'est la plus petite unité euh, qu'on a dans un mot. Par exemple, pour le mot alexandrin, a l e x C'est un problème, là. C'est bon pour ça? Donc. E à la fin d'un verre, on ne compte pas. E plus voyelle, on ne compte pas. Mais E plus consonne, on compte. Et vous avez un petit verre que l'on reverra tout à l'heure qui va me permettre d'illustrer tout ça. De sa fourrure blonde et brune. J'ai choisi ce verre parce qu'en fait, vous avez les trois cas dans un seul verre. C'est quand même fabuleux. Donc, le E de brune ne se prononce pas puisqu'il est à la fin du verre. Puisque là, ça va. Donc, je prononce Brune et pas Brune. Est-ce que ça va pour vous, pour celui-là La team dissipe dans les commentaires là. Est-ce que c'est compris ça Oui. Heureusement que Vanina est au taquet et que Lucie aussi. Parfait. Deuxième cas, le E suivi d'une voyelle. C'est le cas de blonde et. Blon je ne prononce pas blonde de et. Je prononce blonde et Donc vous voyez, il n'y a pas de petite barre oblique. Il n'y a pas de slash entre le E de blonde et le E. Puisqu'il est suivi d'une voyelle, je ne compte pas le E final de blonde. Est ce que ça, c'est clair Suspense. C'est OK pour Arthur, c'est OK pour Elisa, c'est OK pour Vanina. Parfait. OK. Et du coup, dernier cas. Le E suivi d'une consonne, c'est le cas du E final de fourrure que je compte puisqu'il est devant une, voix, devant une consonne et en l'occurrence le B de blonde. Donc je prononce fou-ru-re-blonde. Ça va pour ça C'est pas compliqué, hein, c'est juste qu'il faut euh, bien avoir ces règles en tête pour pouvoir compter les vers. Parfait alors, on passe maintenant au niveau supérieur. Voici les deux dernières règles qu'il vous faut savoir et qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, c'est ce qu'on appelle la diérèse et la cinérèse. Alors, je vous rassure, le plus difficile là-dedans, c'est de se souvenir de ces deux mots parce que leur définition n'est pas si compliquée que ça. <laughs> Alina est déjà en panique. Alors, vous allez voir. La diérèse et la cinérèse, ça va être dans le cas où, dans un mot, deux voyelles se suivent. Par exemple, j'ai choisi le mot lion. I et O sont deux voyelles dans le mot lion qui se suivent. Puisque là, on est d'accord Est-ce qu'on est, qu est d'accord Un ah ange passe. Oui, ok. Alors, vous allez avoir deux possibilités pour compter ces syllabes. Soit vous avez une diérèse et vous comptez les deux voyelles en deux syllabes. L'i-on. C'est ce qu'on appelle une diérèse. Soit vous avez une cinérèse et vous comptez les deux voyelles en une seule syllabe. L'ion c'est tout. Donc, je récapitule. Diérèse et sinérèse sont deux façons de compter deux voyelles qui se suivent dans un même mot. Le i et le o de lion sont deux voyelles qui se suivent. Si je compte mes deux voyelles en deux syllabes, j'ai une diérèse. L'I, on. Si je compte mes deux voyelles en une seule syllabe, j'ai une cinérèse, lion. Est-ce que ça va pour ça Ça a l'air d'aller. Alors, un petit moyen mnémotechnique. Parce que euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais à votre place, j'avais du mal. J'avais compris le principe, mais j'avais du mal à me rappeler quelle était la diérèse et quelle était la cinérèse. Eh bien, pour m'en souvenir, je me disais que diérèse. C'est deux syllabes. Donc je prononce mes deux voyelles en deux syllabes. Die Et du coup, ciné, une seule syllabe. Est-ce que ça va pour le petit moyen mnémotechnique euh, Raphaël, c'est jusqu'à quelle heure C'est toujours la vaste question. En général, on fait toujours à peu près une heure de live. Voilà. Mais vous êtes libre de partir euh, quand vous le souhaitez. Oui. C'est bon pour le moyen mnémotechnique Voilà, moi ça m'a aidé, donc je me dis que ça peut aider aussi certains d'entre vous. Diérèse, deux syllabes, je prononce mes deux voyelles en deux syllabes. Voilà, après chacun peut avoir ses méthodes différentes. Donc vous avez en dessous une citation où vous avez euh, le mot lion dont je vous parlais tout à l'heure le lion dort seul sous sa voûte. Alors dites-moi dans la citation s'il s'agit d'une diérèse ou d'une cinérèse. Grâce au découpage. Dans la citation, le mot « lion » a-t-il une diérèse ou une cinérèse Oui. Alors Lucien, en combien, de, en combien de syllabes je prononce le mot lion Pareil Vanina, en combien de syllabes est-ce que je prononce Voilà, deux. Donc si j'ai deux syllabes, die Ça va pour ça alors, vous allez me dire, oui, mais madame, comment je sais si euh, c'est diérèse ou si c'est cinérèse dans un poème Parce que dans un poème, c'est à nous de compter les syllabes et il n'y a pas les traits comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Eh bien, c'est simple, vous regardez les autres vers. Dans les poèmes que. Vous... Super Lucie, dans les poèmes que vous allez étudier, surtout au collège, euh, la plupart du temps, si vous avez un vers avec 8 syllabes, dans un poème, tous les vers vont faire huit syllabes. Idem, si vous avez un vers de dix syllabes, tout le poème sera euh, sous forme de dix syllabes. Donc vous, si vous avez un doute sur une diérèse ou une sinérèse, eh bien vous regardez le nombre de syllabes dans un ou deux autres vers du poème et ça va vous donner une bonne information. Tu t'es endormi, Arthur Que se passe-t-il On a perdu Arthur. C'est bon pour ça est-il qu des questions jusque-là J'ai compris, oui, vous êtes au taquet, vous êtes parfait. Je pense aussi aux élèves qui sont derrière leur écran mais qui n'ont pas le chat à la maison. Non, pas de questions, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment compliqué, il faut juste comprendre le mécanisme, Alina. Voilà. Tu vas voir qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Mais c'est. Euh... Oui, on va en refaire Valina tout à l'heure. Mais c'est en s'entraînant que ça va devenir facile. Je suis sûre que la première fois que euh, tu as vu l'alphabet, tu t'es dit Ah, oh, c'est compliqué Alors que maintenant, ça doit aller. Ok Allez, c'est parti, on continue avec la lecture de poèmes. Donc pour l'instant, la régie, on n'affiche rien d'autre, euh, à part peut-être le poème du chat qu'on va pouvoir lire ensemble. Allez, affichons le poème du chat. Quelques conseils pour la lecture de poèmes, puisque vous allez devoir lire et à la maison et euh, au collège et réciter aussi plusieurs poèmes dans votre scolarité. Au revoir Mélinda Donc il y a des choses à savoir pour lire un poème correctement. <laughs> Le chat est de retour à Lina. La première chose, comme pour toute lecture, c'est de poser sa voix et de prendre son temps. Souvent, les élèves essayent de se débarrasser de la lecture d'un poème parce que ah, ça semble compliqué à lire et euh, lisent ça à fond la caisse et du coup, on ne comprend absolument rien. Donc, on prend son temps et on lit sans se presser. Fanina, <laughs> oui, c'est un poème en vers, on l'a déjà dit tout à l'heure. Exactement. Alors ensuite, la deuxième chose importante dans un poème, c'est de suivre la ponctuation. Vous allez voir par exemple que le quatrième vers se termine par un point. Eh bien, je baisse la voix. Vous allez voir que le cinquième vers se termine par un point-virgule, tout comme pour un point, je baisse la voix. Il y a aussi un point d'interrogation, il y a des virgules et je dois tenir compte de tous ces éléments. D'accord Autre chose dans un poème, c'est que euh, l'on parle d'enjambement comme si on enjambait quelque chose avec une jambe, lorsqu'une un, lorsqu un, phrase s'étend sur deux vers. Par exemple, si vous lisez le premier et le deuxième vers, vous voyez bien qu'il n'y a pas de ponctuation à la fin du premier vers. Il s'agit donc de la même phrase qui s'étend sur les deux vers. Eh bien, on parle alors d'enjambement. Donc là, comment je lis Eh bien, je continue puisque la phrase continue et que je n'ai pas de ponctuation. Est-ce que c'est clair pour ça Donc je dirais, de sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux, petite pause pour la virgule, qu'un soir j'en fus embaumé, virgule, pour l'avoir caressée une fois, virgule, rien qu'une. Donc lorsqu'il n'y a pas de ponctuation à la fin d'un vers, eh bien je continue la lecture. Je ne m'arrête pas. Au revoir alors Ok, parfait pour ça. Encore deux petits conseils. Encore une fois, ça tient pour toute lecture de texte. Je fais attention aux liaisons, notamment les S. J'en fus embaumé et pas j'en fus embaumé. Et ça, c'est comme d'habitude. Et puis, dernière chose à faire en poésie, qui cette fois-ci est un peu différente d'une euh, lecture, lecture classique, c'est appuyer le mot qu'on dit à la rime. Donc, le dernier mot de chaque vers doit être un petit peu accentué de façon à faire ressortir la sonorité du poème. Donc là, je vais essayer d'appuyer un peu sur brune, soir, avoir et une. <laughs> oui, il y a des chances, Alina. C'est bon pour ça Donc je vous propose d'essayer de lire ensemble le poème. Vous pouvez le faire avec moi, ce sera un bon ex exercice. C'est pas quelque chose qui est très facile. Hein. C'est pas très facile, ça se travaille, mais euh, c'est important. Et surtout lorsque vous aurez à présenter un poème à l'oral et que vous aurez à le lire, c'est vraiment une étape importante puisque c'est là que vous allez montrer votre bonne compréhension du texte. En lisant le poème, on peut savoir si vous avez compris le texte ou pas du tout. Donc on y va. Le chat. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tiré comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux vivantes opales qui me contemplent fixement. Alors, juste deux petits mots de vocabulaire. Encore une fois, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas vraiment au sens du poème, mais bon, ça ne fait jamais de mal. Les euh, fanaux que vous avez dans, dans le texte sont des euh, lanternes marines et puis les euh, l'opale, c'est une pierre qui est très lumineuse. Donc là, on fait référence. Aux yeux du chat. Aux prunelles, aux yeux du chat. Les, la prunelle, c'est les yeux. Ça va pour ça Est-ce que ça va Jusque-là. Vous voyez, il hein, n'y a rien de très difficile. C'est toute la prunelle de petites prunes. Non, Arthur. Non, 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 non. La prunelle, c'est l'intérieur de nos yeux. Au revoir, Raphaël. Alors, juste une, un dernier détail, puisque vous savez que c'est mon dada, hein, si, euh, si vous avez, si avez l'habitude de m'avoir en, en classe. Vous avez en haut à droite de votre écran. D'ailleurs, qu'avez-vous en haut à droite de votre écran Qu'est-ce que je vous ai indiqué Dites-moi comment on appelle Charles Baudelaire, Le chat, les fleurs du mal, 1857. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, Elisa, tu es mon élève préférée aujourd'hui. Alina aussi, c'est pas mal. Vous avez ici les références ou le paratexte, les deux éléments sont bons, avec donc toutes les informations, la carte d'identité du poème. Donc Charles Baudelaire, l'auteur, le poète, le chat, c'est le titre du poème, et j'en profite pour vous dire qu'un titre de poème se met entre guillemets, tandis qu'un titre de recueil, un titre de, euh, de livre englobant plusieurs poèmes, se souligne à la main et se met en italique à l'ordinateur. Et puis enfin, la date de publication. Ça va pour ça Et oui, c'est vrai, très important les références. Ok, on passe au vif du sujet, on va garder ce, ce poème-là. On va s'intéresser maintenant à l'analyse et la structure d'un poème. Je crois qu'on avait une petite, euh, une petite diapo de titre pour cette dernière partie. Allez, on s'accroche, on attaque la dernière partie de ce cours et c'est la plus importante puisque c'est celle où on va analyser la structure d'un poème. Donc, plusieurs étapes. Première chose à faire lorsque nous sommes en face d'un poème et que nous l'avons lu, etc., on va se demander combien il y a de strophes. Donc, je vous écoute, combien y a-t-il de strophes dans ce poème Je rappelle pour ceux qui euh, ne... Saurait pas ou l'aurait oublié qu'une strophe c'est l'équivalent d'un paragraphe pour un poète. Bonjour à ceux qui arrivent, vous pouvez prendre euh, le live en cours de route sans souci. <laughs> Lucie, on t'a perdu là, il y, y a un paratexte qui. alors sauf si tu as du retard sur le live. Sinon, les autres réponses sont bonnes, il y a quatre strophes, quatre paragraphes, même si on ne parle pas de paragraphes en poésie dans ce poème. Très bien. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on euh, identifie le type de strophe, c'est-à-dire que l'on compte le nombre de vers par strophe. Autrement dit, pour les débutants, on compte le nombre de lignes par paragraphe. Mais comme on est des pros, on dit vers par strophe. Donc, combien y a-t-il de vers par paragraphe Par strophe Quatre. Oui, il y a effectivement quatre vers par strophe, c'est ce qu'on appelle en poésie des quatrains. Parfait. Donc première chose à analyser, c'est que ce poème est composé de quatre quatrains. Au revoir Céla Tu pourras regarder la fin du live en replay, ne t'inquiète pas. Euh, pourquoi 16, Je ne sais pas. Il n'y a, a pas de 16, c'est 4. 4, 4, 1. Ok Une fois qu'on a fait ça, on s'intéresse cette fois-ci à la mesure du verre. C'est-à-dire que l'on va compter, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, le nombre de syllabes par vers. Donc là, je vous laisse compter tranquillement, le plus simple c'est de compter sur vos doigts combien y a-t-il de syllabes pour chaque verre Combien comptez-vous de syllabes par vers Alors, alors. Oui, Enya, c'est ça. Oui, Quentin. Un peu trop, Mohamed. Oui, Ahmed, c'est ça. Elisa. Tout ça, c'est bon. Il y a effectivement 8 syllabes par vers. De sa fourrure blonde et brune, ça, c'est celui qu'on avait compté tout à l'heure. 8. Sors un parfum, si doux qu'un soir, 8. J'en fus embaumé pour l'avoir. 8. Carré c'est une fois, rien qu'une. 8. Vous voyez? Donc on pourrait faire l'exercice sur tout le poème. Et euh, on constaterait, puisque je l'ai fait évidemment avant vous, qu'il s'agit euh, pour tous les vers de huit syllabes. Et c'est ce qu'on appelle, je l'ai vu dans les commentaires, un octo syllabes, comme euh, en maths, lorsque vous avez un octogone. C'est une figure avec huit côtés. C'est ça, Alina C'est bon pour vous Donc, on regarde combien de strophes et combien de vers par strophe. Et ensuite, on regarde le type de vers. Donc là, nous avons affaire à des octosyllabes puisque chaque vers comprend huit syllabes. Euh, pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, mais là, je vais vous embêter. On euh, a la possibilité de couper chaque vers en deux. Quand on étudie un poème, et surtout pour la lecture, parfois il arrive de couper un vers en deux. Alors, pour les vers de huit syllabes, c'est facile. On fait la coupe entre les quatre premières et les quatre dernières syllabes. Donc, par exemple, de sa fou rue reblonde et brune, là j'aurai ma coupe, et euh, cette coupe au milieu d'un verre sépare le verre en deux hémistiches, H -E -M -I -S -T -I C -H -E. Voilà, donc ça c'est juste pour que vous puissiez entendre le vocabulaire une fois, il n'y a pas besoin de le retenir pour l'instant, mais sachez que chaque verre se découpe en deux parties. Pour la lecture, simplement, et c'est ce qu'on appelle ces deux parties des hémistiches. Ça va avoir un intérêt, surtout dans un vers particulier qu'on appelle l'alexandrin, qui a douze syllabes et qui va être coupé en six syllabes et six syllabes. Donc, c'est simplement pour la lecture, en fait. Pour faire une lecture parfaite, il y a une, une séparation entre euh, les deux parties d'un vers. Hémistiche, c'est ça qu'est ici, mais avec un H. D'accord Donc, c'est simplement pour entendre le mot une fois, vous aurez bien l'occasion d'y revenir plus tard. On revient à un sujet un peu plus facile puisqu'on va. Euh... Oui, je sais, oh, Arthur, tu vas pas commencer à râler. Puisque euh, c'est le dernier sujet pour analyser un poème, on va s'intéresser aux rimes. Et là, c'est facile. Il n'y a que trois schémas de rimes possibles. Alors, regardez le premier quatrain. Brune. Soir, avoir et une. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires quel mot rime avec quel autre mot Oui, Enya. Mais Enya, tu es déjà de niveau expert. Que veux-tu Alors, quel mot rime avec quel autre mot dans le premier quatrain Alors Quentin nous dit brune et une tout à fait. Et puis si soir et avoir tout à fait. Donc si j'utilisais des lettres pour désigner des sons à la place de brune soir avoir une, je pourrais mettre a b b a. Donc ça vous pouvez le noter les types de rimes c'est important a b b c'est ce qu'on appelle des rimes embrassées. Des rimes embrassées. La rime du bisou. <laughs> Brune, soir, avoir et une. Donc je remplace Alina, je ne suis pas sûre de, 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 de ne pas comprendre, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu ne comprends pas. Donc, je remplace mes mots par des lettres et le schéma de rimes A, B, B, A, c'est ce qu'on appelle les rimes embrassées. Alors, pourquoi A, B, B, A Puisque le son A et le son B sont deux différents. Brune, c'est mon son A. Soir, voir, c'est mon son B. Avoir, c'est le même que soir, on est d'accord Donc, de nouveau B et une. C'est le même que Brune, donc de nouveau A. Est-ce que c'est plus clair comme ça pour Sarah et Alina? Suspense. Ça y est. D'accord Brune A, soir B, avoir B, une A. Oui, bien plus clair. Parfait. Alors juste pour s'amuser, dites-moi le schéma de rime pour le deuxième quatrain. Quel mot rime avec quel mot Super Sarah. Lieu inspire, empire, Dieu. Quels sont les mots qui riment ensemble Parfait Catel. Alors de nouveau, nous avons. Des rimes embrassées, exactement comme dans le premier quatrain. Donc effectivement, Lucie et Alwena, lieu rime avec Dieu, et Arthur aussi, et puis Kessie et euh, Alina et euh, Alwena et Lucie, empire rime avec, euh, rime avec quoi déjà Inspire, d'accord Donc de nouveau, j'ai des rimes embrassées. Mais si je veux vous embêter, je peux vous dire que ça n'est pas... ABBA. B, B, A. Parce que lieu, ça ne rime pas avec brune. Et la rime A, c'est une. Donc à la place de ABBA, qu'est-ce que je peux mettre ah, Je deviens pénible. Hein. Exactement, Narnia, C D D C. D'accord j'ai CDDC parce que les rimes ne sont pas les mêmes que dans le premier quatrain. Est-ce que ça va pour ça Donc, dans les deux premiers quatrains, les rimes sont embrassées. C'est le même schéma de rimes. Mais comme les rimes ne sont pas les mêmes, je n'utilise tout simplement pas les mêmes lettres. Donc, A, B, B, A, CDDC. D, D, C. Etc, etc. Et voilà comment on analyse la structure d'un poème. D'accord Alors, je vous donne trois autres termes qu'il est intéressant de connaître et ensuite on s'entraîne avec un autre poème. En plus des rimes, il peut y avoir dans les euh, poèmes des effets sonores qui euh, vont créer encore plus de musicalité. On appelle assonance, une assonance, une répétition d'un son voyelle.

Assonance et allitération. Et comme je suis extrêmement sympa, je vais vous donner là aussi une petite astuce pour vous souvenir de euh, quoi et quoi. Assonance se termine par une voyelle. C'est donc une répétition de son voyelle. Tandis qu'allitération se termine par une consonne. C'est donc une répétition de son consonne. Est-ce que ça va pour vous pour ce petit moyen mnémotechnique bien pratique Oui, ça a l'air. Ouais. Je vous imagine à fond derrière vos écrans. Ouais. La poésie. Ok. Ah, bonjour Charles. Donc si je répète pour faire un petit bilan pour analyser un poème et ensuite je vous mets au défi d'analyser un nouveau poème pour voir si vous avez tout compris. J'analyse tout d'abord le nombre de strophes. Donc ici, j'en ai 4. Puis le type de strophe. Ici, 4 4 J'analyse ensuite le euh, nombre et le type de vers. Donc ici, j'ai affaire à des vers de 8 syllabes, c'est ce qu'on appelle des octosyllabes. Okay. Et puis, les schémas de rimes. Donc ici, nous avons des rimes embrassées. Et si je sais faire ça pour chaque poème que je lis, eh bien, c'est déjà une très grande victoire. Et ce n'est absolument pas grave, Lucie, si tu n'as pas pris de notes, mais tu peux quand même noter les deux, trois petits mots que je vous donne comme ça un peu à la volée, dont euh, assonance et allitération. D'accord eh bien, je ne vous crois pas, donc on y va pour l'analyse d'un deuxième poème et cette fois-ci on s'intéresse au lion. Allez, on s'accroche, on a fait le plus dur. Le supplice de ce live est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, vous pourrez ensuite aller vaquer à vos occupations. Alors voici un deuxième poème dont on a lu tout à l'heure un vers qui est un poème de Victor Hugo issu du recueil Les chansons des rues et des bois écrit au 19e siècle. D'accord Vous me répétez dans, dans les, les commentaires pourquoi le lion est entre guillemets. Pourquoi le lion est-il entre guillemets Pourquoi, pourquoi C'est une très bonne question, ça. C'est le titre Oui, mais le titre de quoi Heureusement que Cassie est là et nous dit que c'est le titre du poème. Parce que Les chansons des rues et des bois est aussi un titre, mais c'est le titre du recueil. D'accord Donc, titre du poème, entre guillemets. Alors, c'est parti pour une petite lecture de ce nouveau texte de Victor Hugo. Vous pouvez le lire en même temps que moi. Le lion dort, le lion dort même, seul sous sa voûte. Il dort de ce puissant sommeil de la sieste, auquel s'ajoute, comme un, comme un poisson sombre, le soleil. Les déserts qui de loin écoutent respirent. Le maître est rentré, car les solitudes redoutent ce promeneur démesuré. Son souffle soulève son ventre, son œil de brume est submergé. Il dort sur le pavé de l'antre, formidablement allongé. Eh bien, on fait le même travail. Ça devrait aller encore plus vite cette fois-ci. Combien de strophes Combien de strophes voyez-vous Et combien de vers comptez-vous par strophes Donc, effectivement, Alina, <laughs> il y a quatre strophes. <laughs> non, il y a trois strophes. Mais il y a quatre vers par strophe. Attention. Donc vous avez ici trois strophes composées de quatre vers. C'est ce qu'on appelle des quatrains. D'accord Trois strophes de quatre vers. Et une strophe de quatre vers s'appelle un quatrain. Parfait. Combien de syllabes comptez-vous par vers Oui, c'est pas grave. Combien de syllabes pouvez-vous compter par vers Oui Lucie, ce sont des quatre. Attention Quentin, tu vas trop vite, tu nous perds. Pour l'instant, on compte le nombre de syllabes par vers. On en a vu un tout à l'heure. Le lion dort seul sous sa voûte. 8. Il dort de ce puissant sommeil. 8. Je, je vous l'accorde, on n'a pas l'air très malin quand on compte les vers. Hein. De la sieste auquel s'ajoute. 8. Comme un poids sombre le soleil. 8. De nouveau, j'ai affaire dans ce poème à des octosyllabes. Alors, question piège. Vanina m'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qu'elle voulait s'entraîner. Euh, Trouvez-moi. Trouvez-moi une diérèse. Trouvez-moi deux diérèses dans le premier quatrain. Exactement, on retourne au CP en comptant sur nos doigts. Donc trouvez-moi deux diérèses. Donc je vous rappelle, une diérèse, c'est deux voyelles qui se prononcent en deux syllabes dans le premier quatrain. Deux diérèses. Pas facile, ça. Hein alors, Lyon, oui, Mohamed, ça c'est bon, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, et il y en a un. Il y a un deuxième mot. Donc, je suis d'accord avec vous pour Lyon. Quel est le deuxième mot sur lequel il y a une diérèse Alors, puissant, c'est une cinérèse, puisque je prononce puis et pas pui. Donc, puissant, ce n'est pas une diérèse, c'est une cinérèse. Ah, ça y est, Aloéna l'a trouvé. Le deuxième mot, et Quentin aussi, c'est sieste, puisque je prononce de la sieste. Ok Donc, lion et sieste ont des diérèses, tandis que puissant a une cinérèse. Parfait! Allez, analysez-moi le schéma des rimes maintenant. Quelles rimes voyez-vous dans le premier quatrain? Voûte, sommeil, s'ajoute soleil. En utilisant les lettres, qu'est-ce que ça donne? Alors, oui, Quentin. Oui, Narnia. A, -b -a -b. Ce sont donc des rimes croisées cette fois-ci. Donc tout à l'heure, on a vu les rimes embrassées A, B, B, A. Deuxième type de rimes, les rimes croisées en alternance A, B, A, B. Donc si vous n'avez pas le vocabulaire pour l'instant, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à analyser les, euh, les rimes avec les lettres. Donc ici premier quatrain A B A B parfait deuxième 1 avec les lettres deuxième 1, qu'est-ce que ça donne avec les lettres souvenez-vous on utilise les mêmes lettres si ce sont les mêmes sons Et là, vous êtes tous en train de vous faire avoir. Sauf Alwena. Alors, regardez. Le mot écoute, le premier mot du deuxième quatrain, rime avec voûte et s'ajoute. Donc, on reprend la lettre A. D'accord Écoute. Rime avec voûte et s'ajoute. On a déjà le son dans le premier quatrain, donc on reprend la même lettre, A. Rentrer. Rentrer, c'est un nouveau son, donc on utilise une nouvelle lettre, C. Puis, redoute. Rime avec écoute, mais rime aussi avec s'ajoute et voûte. Donc de nouveau, A. Et puis démesuré, rime avec rentrer. Donc pour mon deuxième quatrain, A, C, A, C. Euh, non, Ahmed. Pourquoi donc? Ok, donc premier quatrain A B, A B et deuxième quatrain A C A C. C'est parfait. Allez, pour voir si vous avez compris, donnez-moi le schéma Dream dans le troisième quatrain. Troisième quatrain. Réfléch... Ré... Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ventre, submergé, entre et allongé. Oui, Narnia et Alouena, parfait. Dernier quatrain, D C D C Ventre et entre, nouveau son, nouvelle lettre, donc D. Mais submergé et allongé, rime avec entrée et démesuré dans le deuxième quatrain, donc on reprend la même lettre. Donc tous les schémas de rimes de ce euh, poème sont des rimes croisées. Ça va pour ça Je suis perdue. Alina, il n'y a pas de quoi être perdue. Enfin Alors, je répète. Dans, euh, donc dans le poème Le Lion, toutes, euh, tous les schémas de rimes sont identiques dans le sens où nous n'avons que des rimes croisées. Donc ce sont des rimes alternées. Rime 1, rime 2, rime 1, rime 2. Sauf que plusieurs sons reviennent plusieurs fois dans le, euh, dans le, dans le poème. Donc plutôt que d'utiliser des lettres différentes, j'utilise les mêmes lettres lorsque j'ai les mêmes sons simplement donc ça donne abb b, euh, a, abab pour le premier quatrain voûte a sommeil b s'ajoute a soleil b puis écoute c'est le même son que voûte et ajoute donc je reprends la lettre a rentrer c'est un nouveau son donc je change de lettre c redoute a démesuré c et puis pareil dans le dernier quatrain ventre Nouvelle sonorité, donc nouvelle lettre, D. Submerger, rime avec rentrer et démesurer, donc je reprends la lettre de tout à l'heure, C. Et de nouveau, D et C. D'accord Alors, on va... Euh... Je vais vous laisser dans un instant. Ceux qui n'en peuvent plus, peuvent y aller. On a vu le, le principal je veux juste vous poser deux questions pour les plus courageuses sur un dernier poème parce que il euh, y, y a deux choses qui m'intéressent en fait. donc on passe au dernier poème qui s'appelle le papillon et ensuite je vous laisse tranquille. donc ce poème a été écrit par alphonse de lamartine et en fait il m'intéresse pour deux choses. la première chose c'est euh, le type de vers. J'aimerais que vous comptiez le nombre de syllabes pour le premier vers. Je sais que vous êtes fatigué, donc je ne vais pas reprendre le temps de faire une relecture du poème, etc. On va simplement s'intéresser au premier vers et ensuite au mot à la rime, et ensuite on arrêtera. Donc, donnez-moi juste le nombre de syllabes pour le premier vers. Allez, courage Combien comptez-vous de syllabes pour ce premier verre Alors, Alwena en compte neuf, Laure en compte douze, douze, dix, neuf. Qu'est-ce qu'on fait si on a un doute Bah, ben, si on a un doute, on compte un deuxième verre. Donc, comparer avec un deuxième verre. Ça y est, les bonnes réponses arrivent. Naître avec le printemps, mourir avec les roses. Ah, j'ai fait une faute. Naître avec, naître avec le printemps, mourir avec les roses. Ça y est, 12. Sur les du zéphyr, nager dans un ciel pur. 12 balancé sur le sein des fleurs à peine écloses, et douze, etc. Donc ici, tous les vers comportent douze syllabes, et ça m'intéresse parce qu'on ne l'avait pas encore vu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un alexandrin. C'est un vers qui est très utilisé en poésie. Allez, pour finir, euh, quelle est ma faute J'ai mal compté le, le premier vers. Ça arrive. Donc quand on, quand on compte mal, hop, on recommence. Pour finir, les rimes dans ce poème. Elles sont intéressantes. Euh, bien sûr que non, Louise, ce live est ouvert à tous, à tous et à toutes. Alors, regardez un petit peu le schéma des rimes. Rose, pure, éclose, azur. On a déjà vu ce type de rime. Comment est-ce qu'on appelle ça A, B, A, B. Ce sont des rimes... Suspense. Gros suspense. Oui, ce sont des rimes croisées, exactement comme dans le poème précédent. Rose, A, pure, B, éclose, A, azur, B. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eh bien, nous avons « elle » et « éternel ». Eh bien, ces deux-là riment ensemble. On a « c » et « c ».« Elle »,« éternel »,« c » et « c ». Des rimes qui riment ensemble euh, l'une après l'autre sont appelées des rimes plates ou des rimes suivies. Et c'est pour ça que je voulais voir ce, ce, ce poème avec vous c'est parce que ça nous permet de voir le dernier type de rime. Donc elle et éternel sont des rimes plates ou des rimes suivies. Et puis enfin, enchanté, pause, chose, volupté. Ici, on a d a a d et ce sont des rimes embrassées. Comme dans le premier poème du chat. Donc ce poème là, il est très intéressant puisque on a les trois schémas de rimes possibles que je vous répète les rimes plates A, A, les rimes croisées A, B, A, B et les rimes embrassées A, B, B, A. Et voilà qui nous permet de terminer cette petite séance de live sur la poésie en ayant fait un bon tour du vocabulaire de la versification. D'accord donc bravo à vous d'avoir tenu le coup, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura aidé d'une part à euh, travailler un peu le vocabulaire et surtout à euh, bah, appréhender un petit peu la technique pour analyser un poème. C'est pas très compliqué, il faut y aller pas à pas. D'accord Donc on retient bien les conseils pour lire un poème, et puis on retient la méthode pour analyser un poème. Donc le type de strophe, le type de vers, les rimes, etc. Vous avez sur la chaîne euh, deux vidéos qui peuvent vous intéresser. Vous avez un nouveau live, enfin un nouveau live, un ancien live poésie qui est euh, un, un peu plus dur que celui-ci. C'est pour le niveau intermédiaire, on va dire, que vous pourrez voir d'ici quelques semaines. Et puis vous avez aussi une vidéo assez courte sur toutes les choses à savoir concernant la versification. Donc celle-ci, vous pouvez aller la voir dans, dans la semaine ou dans les semaines qui, qui suivent ça vous aidera. Voilà pour ça. Euh, au revoir à ceux qui s'en vont. Mettez un petit like à la vidéo si ça vous a plu. Le prochain live, c'est comme d'habitude vendredi. Et même si c'est un jour férié, <laughs> on fera une petite dictée comme d'habitude. Et pour cette dictée, ce sera Narnia. On pourra voir la tête de la régie. Non <laughs> La régie est cachée. <laughs> c'est comme Daft Punk et... Euh... <laughs> et ses personnalités un peu mystères. Ok Merci à tous d'avoir été présents. Je suis très fière de vous. Vous avez bien participé dans les commentaires et euh, j'espère je, vraiment que ça vous aura aidé, que vous, euh, vous avez retenu plein plein de choses. Et puis, merci au professeur d'avoir été là aussi. Belle fin de journée, belle semaine à vous et je vous retrouve vendredi pour un prochain live. Au revoir